êtes bien sur RVL 103.1 dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique pour la dernière émission de l'année. Et aujourd'hui, aujourd'hui on commence un petit peu Noël. Dans le studio, il y a plein de guirlandes, il y a plein de chocolats. Merci à tous ceux qui envoient des chocolats à la radio. Et puis, j'ai mes invités qui sont avec moi là. Et puis, je voudrais dire merci aussi à Robert qui vient de nous appeler il y a quelques secondes pour nous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et pour dire qu'il nous écoutait. Merci Robert et à très bientôt. On se connaît pas, mais à très bientôt et bonne émission pour toi. Donc aujourd'hui, je reçois un photographe, mais ce photographe ne savait pas aujourd'hui que j'avais un autre invité. Surprise, surprise, tous les deux, ils sont face à face dans le studio. Eh bien, j'ai le fils, et puis en face, j'ai qui ? J'ai le papa. Bonjour. Alors, ce sont deux photographes, ils se connaissent très bien, bien sûr, puisque père et fils, mais là, c'était la surprise. J'ai vu ta tête, Thomas, alors c'est Thomas. Thomas Ayusso et Denis Ayusso. Tous les deux, vous êtes amateurs de la photographie, hein, oui. On peut dire comme ça. Tout à fait. Amateur. Alors, Thomas, je t'ai catalogué dans les invités comme photographe amateur averti. Oh. C'est bien ou t'aurais préféré autre chose, tout court, amateur ou... Amateur tout court, ça m'aurait suffi, mais... Averti. Alors, pourquoi j'ai mis averti? Ouais, pourquoi averti? Hein? Tiens, pose-moi la question. C'est moi qui pose les questions. Ah, parce que, voilà, tout simplement, j'ai vu ce que tu faisais au niveau de ton travail, et puis je me suis dit, en v'là un qui prend un bon chemin. Voilà, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, Thomas, alors, la petite histoire aussi, faut qu'on dise aux auditeurs qu'on se connaît. Je pense que je t'ai vu peut-être naître. Oui, depuis que je suis né, je pense. Oui. Je pense. Et puis, on a traversé pas mal de choses ensemble avec ton papa. Oui. Et toi derrière, qui a pris la relève, mais ton papa continue toujours. Mais toi, tu fais aussi de la photographie. Il m'a donné le virus, oui. Il t'a donné le virus. Alors, t'es content de ce virus ou... Ah oui, j'en suis content. Ou t'aurais voulu faire de la danse, des claquettes par exemple? Non, la photographie ça me va très bien. La photographie ça te va? Oui, j'en suis content. Ça m'accompagne maintenant depuis, je dirais, l'âge de environ 8 ans. Ouais, c'est ça, oui, à peu près. Et puis voilà, ça me suit depuis, j'en fais toujours. Alors, des fois plus, des fois moins, ça dépend du temps. Alors le papa, c'est aussi le papa de... Le papa a passé la relève, la passion de la photographie à ses enfants. Ça a commencé en vacances où à un moment, on leur a donné un appareil et puis... Alors, attends, il faudrait peut-être qu'on dise d'abord aux auditeurs, quel âge a Thomas? Thomas, tu as quel âge, Thomas? 33. 33. Et tu fais de la photographie depuis l'âge de 8 ans à peu près, hein. Ouais. 6-8 ans, j'ai noté, c'est quoi. Ça. Alors tes débuts c'était quoi? Est-ce que c'était chiant de suivre papa tout le temps? Parce que lui c'est un amateur averti, mais on pourrait dire que c'est un pro des circuits automobiles, lui. Ah bah ça oui, les courses de voiture avec papa, mais pas que. Et puis il y a eu aussi le photoclub un peu plus tard qui a permis. Voilà, c'est ça. Alors on va rappeler photoclub de Montivilliers. Oui. Donc c'est là que tu as fait tes premières armes. Les premières armes, je pense que je les ai fait avec papa avant le photoclub. Je pense que je devais être trop petit pour aller au photoclub. Donc avec un boîtier argentique et puis voilà, on faisait du noir et blanc et puis je pense déjà de la couleur. On amenait les photos faire développer et puis après au photoclub on a appris un peu le tirage, donc ça j'en ai fait avec papa. Et puis aussi je me rappelle un peu des cours transmission du savoir. J'ai une anecdote parce que il y avait les deux garçons qui faisaient des photos et Thomas, moi c'est vrai que je suis un peu instinctif et je vous dis vite que Thomas c'était même à 8 ans il réfléchissait avant de déclencher tout pour cadrer, voilà, c'était instinctif. Alors, voilà. Moi, j'étais à l'époque, j'étais le président de cette association, un des créateurs d'ailleurs, avec un monsieur qui s'appelle Philippe Le Baron, que je n'oublie pas. Et tous les deux, on a créé cette association Photoclub de Montivilliers en 1981-82.
Donc ton papa est arrivé aussitôt et toi t'es arrivé un petit peu après, hein. Et puis on a monté une petite équipe avec les enfants, avec les jeunes, ouais, de nos adhérents. Donc là on s'est mis tout de suite au noir et blanc, au labo et à la prise de vue. Alors tu te souviens de cette période là J'ai quelques souvenirs du studio qui était, le studio qui était au fond, ouais. Et puis du laboratoire qui était plutôt en longueur, assez étroit. De mon souvenir, il était sur le côté. Alors, on va préciser pour les auditeurs, c'était cours de l'ancien lycée, dans l'ancien lycée technique Jean Prévost, les anciens locaux, qui existent toujours d'ailleurs, mais qui sont vides aujourd'hui. Et l'association a fait ses débuts ici, et comme tu parlais du studio, c'est vrai que tu t'en souviens très bien. Moi je me souviens très bien des photos de toi lors de les festivités de 1989, et avec le bonnet phrygien. Avec le bonnet phrygien, on avait des séances studio, parce que fallait se dire à cette époque-ci, c'est-à-dire qu'on va pas faire non plus les anciens combattants, hein, mais à cette époque-ci on avait un des plus beaux studios de la région. Même les professionnels nous enviaient parce qu'on avait un très grand studio, bien équipé, grand, ouais, électroniquement. Donc, y a beaucoup de gens qui sont passés par ce studio de photographes, et tant mieux. Donc aujourd'hui, Thomas, tu vogues. Oui. T'es plus chez tes parents, t'es marié, t'as des enfants, tu vis de l'autre côté de Paris. À quel endroit tu vis? À Gomez-Juchatel, c'est à côté des Ulysses. À côté, voilà, dans l'Essonne. Et ta profession? Ma profession, je suis ingénieur en réseau de télécommunications. D'accord. Alors, on va revenir sur ta profession. Alors, on va revenir, mais on va en parler un petit peu tout de suite. On va revenir parce que tu t'es fait des amis dans cette profession qui t'ont mis aussi un peu le pied à l'étrier pour la photographie. Oui, pendant les études. Ouais. Parle-nous de ta profession avant. Ça consiste en quoi, ton métier? Tiens, vas-y, dis-moi. Alors l'ancien et le nouveau. Allez, vas-y. Oui. Donc, l'ancien, ça consistait à m'occuper d'un réseau de transport de chaînes de télévision, en fait. C'est-à-dire, je m'occupais de récupérer le signal vidéo dans différentes studios de chaînes de télévision ou des grands points de rencontre entre opérateurs télécoms qu'on appelle les data centers. Et puis, j'emmenais tout ça sur un site dans le 78 où mes collègues de la vidéo préparaient la chaîne de télé pour être envoyée sur un satellite, en fait. Donc mon employeur était un opérateur satellite, donc pour des chaînes de télé du monde entier. Et puis là je suis en plein changement pour ce 2018 où là je pars dans une entreprise de défense, m'occuper de réseaux de contrôle aérien. Donc il y a de l'angoisse ou pas quand on change de... Un petit peu d'angoisse, mais il y a aussi un peu l'excitation du changement. Je suis un peu d'avis de me dire que le changement au niveau professionnel, ça paye. Alors, je pense qu'on comprend. C'est pas toujours souvent. Alors, ton ancien métier, c'est-à-dire, tu faisais quoi, toi, tu... Moi, je me coordonnais avec les différentes chaînes de télé ou les gens qui nous fournissaient les signaux vidéo dans les data centers pour les transports. Je croyais que tu réparais, moi, c'est pour ça. Ah non, je réparais pas. Non. Je m'occupais juste de configurer, et puis s'il y avait un petit peu de réparation quand il y a un incident sur le réseau, il faut intervenir. Alors là, avec les contrôleurs aériens, ça va être quoi ton métier, puisque tu es informaticien, mais tu vas faire quoi? Alors mon métier, ça va être de concevoir justement les moyens de transport en termes de télécommunication, et puis les moyens informatiques pour des centres de contrôle aérien ou des centres de radar pour assurer le contrôle aérien dans différents pays du monde ou à l'échelle européenne. D'accord. Voilà. Donc, t'as un anglais parfait? Ouais. Bon, alors, on essaye de le parfaire à chaque fois. Mais... Écoute, fais-nous plaisir, envoie-nous quelques avions sur l'aéroport d'Octeville. Un peu plus d'avions. Voilà, donc ça c'est ton métier. Et on va revenir un petit peu d'ailleurs à tes débuts. Tes premiers pas dans la chambre noire, tu as des souvenirs de ça? Des premiers pas, non, mais j'ai des très bons souvenirs de la lumière rouge, les grands bacs avec l'image qui se révèle tout doucement. La magie. Ouais, mais j'ai plus des souvenirs du tirage que du développement du négatif, par contre. C'est-à-dire que le développement du négatif, en noir et blanc en tout cas, je m'y suis mis donc plus tard, au moment de mes études. Et,
Et par contre, jeune, j'ai pas souvenir du développement négatif. J'ai vraiment des bons souvenirs, par contre, du tirage, aussi du négatif qu'on met dans l'agrandisseur. On règle la taille de l'image qu'on veut. La magie, quoi, c'est ouais. ça. Ouais. C'est ah ce ah ouais, il y a un côté magique. Ah, y a, ouais. elle est... et aujourd'hui, trouves-tu toujours le même plaisir? Alors aujourd'hui, du tirage, j'en fais plus. Je le fais faire, en général. Mais je retrouve la magie, ouais, dans le développement d'un négatif, c'est envoyer, revenir, ouais, parce que t'as pas abandonné. Hein. Ouais. Si t'es au micro, c'est parce que t'es déjà un bon, hein, déjà. Mais, tout à l'heure, tu parlais de magie, c'est marrant, oui. parce qu'il y a quelques années, j'avais vu une vidéo d'une femme qui faisait du tirage sur Paris, et elle avait une technique de masquage au moment du tirage, où là, c'était vraiment, on a l'impression qu'elle faisait de la magie au-dessus du tirage au moment de l'exposition. Alors, on va dire aux auditeurs ce que c'était cette magie quand même, parce que c'est vrai qu'il fallait être un très bon technicien, mais en plus, un peu magicien, parce que il fallait prendre des bouts de carton, faire des trous dedans, faire du découpage, prendre des petits morceaux de des petites baguettes avec du scotch, des petits bouts de carton pour cacher. C'est marrant, des fois. Avec les mains, ouais, aussi. Pour cacher certaines zones de l'image de façon à ce qu'elles n'apparaissent pas aussitôt sur le papier parce que c'était surexposé ou sous-exposé. Donc là, c'était là la vraie magie. Mmh. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de facilité, hein, au niveau de, avec les ordinateurs. Une image, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est impeccable, hein, zéro défaut. Bon. On peut encore corriger une grosse partie, mais bon, il faut quand même un bon matériel de base au début, quoi, quand même. Si le cadrage est complètement raté, ou si l'image est complètement... Ah, si le cadrage est raté, oui, bon, enfin... Non, on rattrape pas mal de choses. Ouais, oui, mais... Donc, tu te souviens aussi des premières sorties que tu faisais avec cette association? Est-ce que tu sortais avec papa? Ah bah oui, avec papa. Oui, on a fait des sorties. Quelques courses. Au revoir les filles, alors excusez. Je dis au revoir aux filles parce que ce sont la trésorière et la présidente qui sont venues nous dire un petit bonjour pour les fêtes de fin d'année. Bisous les filles, au revoir. Salut Noël à tous. Merci. Vous voyez, ça c'est du direct. Ça c'est super sympa. Alors Denis, tu disais... Oui, on a fait des sorties. On a été faire quelques photos dans l'estuaire. Puis je l'ai emmené, après quand il était un peu plus grand, je l'ai emmené aux courses auto. On a été faire des... Bon, il aimait bien les courses auto aussi. Ouais. Des photos de train aussi. Alors, photos de train. Ouais, t'aimais bien les machines à vapeur. Oui, ouais. Parce qu'en reprenant mes notes, j'ai écrit cette émission. Et puis, je me suis dit, train à vapeur, mais il était un peu jeune quand même. Mais c'était des machines de collection, ouais, c'est ça. C'était une machine de collection. Alors, j'en ai parlé il y a quelques années avec un collègue d'un précédent emploi qui me disait qu'il connaissait bien cette machine-là et qu'effectivement, elle avait traîné quelques temps en Normandie. C'est la machine qui est à Sotteville-lès-Rouen. Je ne sais plus quel modèle, je ne suis pas un spécialiste. Et elle était venue, et il avait fait même une sortie en partant. Ce que fait maintenant le réseau de la Lézarde, on avait été jusqu'à Rolleville avec cette loco à vapeur et des wagons. Alors nous allons faire notre première pause musicale avec un morceau que Thomas a choisi. Et moi j'étais très surpris parce que je suis allé sur YouTube, je ne connaissais pas. Je suis très surpris. Donc, vous allez écouter, vous allez voir. Alors, il y a le morceau de Thomas, et puis en fin d'émission, il y aura le morceau de Dominique, parce que j'ai trouvé aussi un morceau qui me plaît énormément. Alors, tu peux nous dire qui est cet artiste, Thomas ? Donc, l'artiste, c'est Belle Ruche, et le morceau, c'est Minor Swing. C'est un groupe que j'ai découvert par hasard en reportage télé. D'accord. Et j'ai vu que tout était filmé en noir et blanc. Dans le clip ? Oui. C'est normal. J'ai vu le clip avant le. Enfin, pardon, j'ai eu le coup de cœur de la chanson avant de voir le clip. Oui, parce que je suis allé fouiner sous YouTube cet artiste et j'ai vu qu'elle réalisait beaucoup de. Oui, elle fait beaucoup de clips en noir et blanc. Beaucoup de clips en noir et blanc. Et dedans, il y a des photos. Elle projette des photos, etc. Alors, je me suis dit, bon, voilà, cause à effet. Merci, Cyril. Last time in love, I was gonna teach.
still in here. Vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle. Eh bien oui, c'était très swing. Merci de nous avoir fait connaître, à nous les vieux, cet artiste. Oui. Tu la connais depuis très longtemps? Je la connais depuis, je dirais, 2013, ouais. Et tu la suis toujours? Tu suis... Oui. C'est une Française ou une Anglaise? Non, c'est une Anglaise. La chanteuse, c'est Catherine de Bauer. Et le groupe maintenant s'est séparé, Belruche, mais je suis toujours l'actualité de la chanteuse. Elle est continuelle. Elle a continué un peu en solo, puis elle fait des collaborations avec divers artistes. Bien. Voilà. Alors, on va parler photos toujours. Donc, tu 15-16 ans, tu travailles toujours, tu fais un petit peu de photos. Je dis tu travailles, non, tu es toujours en amateur. 15-16 ans, mais après, là, tu prends tes quartiers à 22 ans pour tes études. Oui, je pars à Brest. Alors là, on rigole plus parce que c'est l'école d'ingénieurs de Brest, mais qui s'appelle comment ? Télécom Bretagne. Télécom Bretagne. Ouais. Alors là, tu apprends le métier de... D'ingénieur en télécommunication, la moitié du temps sur Brest et puis l'autre moitié du temps sur Paris, parce que c'est en apprentissage. Donc du coup, je suis aussi dans une entreprise sur Paris. Et à Brest, tu rencontres un copain qui s'appelle Julien. Oui, oui, oui. Alors tu peux nous expliquer cette rencontre? Ah bah Julien, ça a été un camarade de promotion et puis après un ami derrière. Et lui, il était vraiment passionné de photographie, vraiment dans une... un moment où il avait envie de découvrir beaucoup de choses au niveau photographie, etc. Et donc c'est un peu lui qui m'a mis le pied à l'étrier, parce que j'avais laissé un petit peu la photo de côté vers 16-17 ans. Et donc du coup, bah, l'envie de ressortir un peu, découvrir la région bretonne, faire un peu de la photo de paysage et puis d'autres choses. Et puis en même temps, lui aussi était sur Paris quelques fois, donc ça nous arrive aussi de faire des sorties sur Paris, parce que c'était un arpenteur de la rue parisienne assez passionné de ce sujet. Et puis voilà, ben aussi la découverte avec lui du moyen format, de pratiques de photographie. Moyen format, alors on va y revenir tout à l'heure sur la technique que tu emploies. Et le noir et blanc, la couleur, on va revenir dessus, mais d'abord je voudrais que tu nous parles aussi de Bertrand, parce que c'est quelqu'un... Alors, c'est un Parisien aussi? Ouais, Bertrand, c'est un Parisien aussi. Lui, t'a aidé aussi? C'était un collègue de travail, et donc lui, c'était un ancien photographe pro qui était devenu informaticien. Donc au début, il avait été photographe pour l'armée, pour le service de presse de l'armée. Et puis ensuite, en tant que professionnel à son compte. Et donc lui, il m'a parlé un peu du métier de photographe pro. Il m'a fait découvrir aussi d'autres équipements, toujours sur du moyen format, toujours sur aussi du grand format avec lui. J'ai pu découvrir le grand format. Quand tu dis, pour les auditeurs, il faut qu'on dise ce que c'est que du moyen format. Moyen format, c'est quoi? Un moyen format, en fait, c'est de la pellicule photo comme vous aviez à une époque dans votre appareil, mais en plus grand. Donc avec des formats qui vont de 6 cm par 6 jusqu'à 6,9 ou 6,12 pour les plus grands négatifs. Et donc l'intérêt, c'est plus de négatifs, ça veut dire plus d'informations, plus de détails dans l'image, un autre rendu. Mais aujourd'hui, on a le numérique. Ouais, mais par exemple, un 6,9 diapo face à un numérique, même récent, je pense qu'il lui tient la dragée haute. Et quant au grand format, donc là on parle carrément de chambres comme les anciens appareils, alors là je pense que le numérique il n'est pas à la hauteur. Pas encore, je pense. Non. Après, c'est un usage très particulier. Oui, mais alors, qui faisait de la diapo en 6-9, de la diapositive, fallait avoir le projecteur, fallait avoir... Ça, ah bah... c'est pas commun, quoi, je veux dire. Ah, c'était du matériel de pro, là, ouais, clairement, à l'époque. Là, maintenant, c'est accessible aux amateurs. Pour nos auditeurs, on va leur dire, mais on utilisait beaucoup la diapositive pour l'imprimerie, si je ne me trompe pas, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de détails, beaucoup de définitions dans l'image. Alors, pendant toutes ces années, tu réalises des images de paysages, des nocturnes, des couchers de soleil, de la photographie de bateaux aussi. Ouais, donc là j'avais... bien placé à Brest. Ouais, bah ouais, là, à Brest, c'est sûr qu'on était, bien servi. Et puis là, il y a eu un projet que j'ai eu. En fait, Julien m'a fait découvrir un endroit à côté de Brest, sur la presqu'île de Crozon, où il y a un cimetière de bateaux, et il m'a montré une série de photos. Je fais, ah, c'est génial ça, etc. Et puis j'y vais tout seul, voir, etc. Puis
Déjà, j'aime beaucoup le lieu et puis je commence à faire une série de photos plutôt convaincante. Et puis je me mets comme ça dans l'idée de me dire bah ça serait bien de faire une sorte de triptyque de série de photos avec à la fois la construction du navire, une série où il serait en exploitation et puis une série où il serait en fin de vie au cimetière sur des vieux bateaux. Et donc j'ai réalisé quand j'étais à Brest le début avec la construction de bateaux et puis la fin avec le cimetière de bateaux. Il me reste le milieu à faire. Alors ça c'est plus dur ça parce que c'est le plus dur. Ouais, ça navigue dans tous les sens. Ouais, ça navigue dans tous les sens. Il y a plus beaucoup de bateaux en bois en exploitation. Tu peux peut-être aussi te spécialiser sur un style de bateau aussi. Ouais. Bateau des vieux gréments. Ouais, j'aime bien les vieux bateaux de pêche en bois. Donc ça commence à être une espèce rare, mais. Oui, mais même ta série des vieux bateaux, des vieilles coques de bateaux, t'avais même utilisé, t'avais participé au concours jeunesse de la Fédé et t'avais gagné un prix. Ouais, j'avais gagné un prix. Alors, pour cette série-là. Tu faisais quoi à cette époque-là, du noir et blanc ou de la couleur? Eh ben, cette série-là, c'était du noir et blanc argentique, moyen format, 6-6, donc format carré. Donc c'est une série de photos. Alors, mais format carré. T'es venu au noir et blanc parce que bon. Pour dire aux auditeurs aussi, on peut aller voir sur ta page sur Flickr, c'est ouais, ça? Flickr, ouais. Hein, Flickr, ouais. Pardon. Ouais. On peut aller voir tes images. Ouais, cette série-là, elle est un petit peu en pause, la page Flickr, mais il y a une page Facebook. Tu peux donner l'adresse pour que les gens aillent voir. Il suffit de taper Thomas Ahusseau sur Google et je crois que c'est le premier résultat ou le deuxième résultat. D'accord, donc on pourra aller voir tes images. Parce que moi, j'ai été un petit peu transporté par tes images. C'est pour ça que tu es derrière ce micro aujourd'hui, parce que j'aime beaucoup ton travail, j'ai énormément aimé, et surtout celui-ci, parce que là les auditeurs ne vont pas voir, mais je lui ai réservé une petite surprise à Thomas. Il m'a envoyé des photos pour préparer l'émission, et puis je me suis dit, ben, ça va être un sujet de discussion. Voilà, regarde Thomas, une très jolie photographie tirée en noir et blanc, sur un très beau papier avec de l'eau. Ouais, je vois ça, avec de belles encres. Ah, c'est très très joli. Alors cette photographie, je te la garantis, entre 80 et 100 ans. Tu vois, alors tu vas me la dédicacer, déjà, et d'une. Et puis, et deux, c'était pour te dire aussi, et dire à nos éditeurs, que faut se méfier la photographie sur le net. Parce que là, vous voyez, chers amis, j'ai Thomas, tu vas pas me contredire, Denis, tu vas pas me contredire non plus. Elle est magnifique, cette image, au niveau de la qualité. Ça, je veux dire. Hein? C'est-à-dire que c'est une qualité irréprochable. Eh bien, c'est une image, comme je dirais, moi, en tant que le professionnel, l'ancien professionnel, c'est une image que j'ai pompée sur Internet. Voilà, je dirais comme ça. C'est-à-dire que vous, chers amis auditeurs, vous avez des images. Ben, sachez que n'importe qui peut se servir de vos images. Et là, Thomas, c'était de la basse définition, hein, quand même. Je crois que c'était du 120 dpi. Eh bien, moi, j'ai réussi à la monter un petit peu. Et puis regarde le format, c'est une image qui fait qui est au carré et qui fait 15-15 à peu près, à peine, ouais. Oui, 12-12. Et trouve pas qu'elle est très jolie cette image. Et puis que c'est dommage qu'il y a des gens qui peuvent pomper nos images. Et ça, chers amis, je vous en parle en connaissance de cause parce que j'ai beaucoup d'images qui ont été, comme on dit dans notre jargon, pompées. Alors ça c'est pompé, ça veut dire on prend des images gracieusement et puis on s'en sert pour faire plein de choses. Voilà. Et aujourd'hui, il faut que ça cesse. Moi, je suis contre ça. C'est normal quand vous faites un courrier, vous le signez, ben quand vous faites une photographie, vous la signez aussi. Alors Thomas, t'es pas trop déçu quand même qu'il y a des professionnels qui peuvent te pomper tes images? Alors, j'aurais pu la signer. Oui, mais bah alors tu aurais enfreint tes droits. Voilà, mes droits. Puisqu'en fait, les images, en particulier celles qui sont sur Flickr, moi j'ai fait le choix de les publier avec une licence qui s'appelle Creative Commons, qui est une licence qui dit, en gros, je ne veux pas faire du copyright et avoir tous les droits pour moi et tout gérer, je veux déjà annoncer la couleur, et donc moi, le choix que j'ai fait au niveau de la licence Creative Commons, c'est de dire, vous pouvez utiliser mes photographies, mais par contre, vous citez l'auteur de la photographie, obligatoirement, vous ne modifiez pas la photographie, pas de recadrage, pas de traitement numérique dessus. Alors c'est précisé ça? Oui, c'est précisé. D'accord. C'est-à-dire que sur la page, tu as des pictogrammes, et si tu passes la souris, c'est indiqué exactement ce que tu as le droit et ce que tu n'as pas le droit de faire avec. Et puis aussi, pas d'utilisation commerciale sans mon accord. Donc voilà, si quelqu'un veut prendre une photographie pour illustrer... Moi, si je veux cette image, tu vas me la signer, je vais la mettre chez moi,
Et puis si on se connaissait pas, je pourrais dire bah tiens, c'est quelqu'un qui est sur internet et qui a fait cette très jolie photo qu'on connaît pas, c'est un anonyme, et puis voilà quoi, je pourrais très bien le faire. Ouais. Ah ouais. T'es un peu déçu. Mais, là, parce que non parce que normalement t'es censé jouer le jeu et t'avertir pour te dire que je prends cette image. Non pas m'avertir, mais jouer le jeu, et quand si on te demande qui est l'auteur, l'indiquer vraiment. Ouais. Mais par contre, tu n'aurais pas le droit de la signer, Dominique Hervet. Bien sûr que non, du vol. Là, c'est carrément du vol. Eh ben, vois-tu, j'ai fait cette image ce matin, et je me suis dit, tiens, je vais lui faire voir que faut faire très attention, quoi. Alors, question pertinente. Tu aimes les photos en pose longue, tu me disais. Alors. Ou c'est un projet que tu veux faire aussi, c'est-à-dire toujours traiter tes images, mais sur un pied, et puis de te dire, ben, je vais laisser la photographie venir tout doucement, travailler, il va se passer des choses dans l'image, et ça rend des effets... Ça j'aime bien, ouais, surtout sur les photos de paysages de littoral, j'aime beaucoup laisser la pose longue, un peu gommer l'effet du mouvement des vagues, etc. Il y a un photographe sur la place du Havre qui réalise ce genre de prise de vue. Il s'appelle Olivier. J'avais son nom, ça y est. Olivier Desclos, voilà. Olivier Desclos, que j'ai invité ici d'ailleurs, et il fait ce genre de photographie. Très joli, quoi. Il est vers le Square Saint-Roch, non ? Je sais pas, je sais pas où il habite, mais c'est un amateur averti et qui réalise beaucoup d'expositions, et c'est son style, hein, il est bien. Eh bien, nous allons faire, chers amis auditeurs, une autre pause musicale avec le deuxième titre. Eh ben, c'est Thomas, aide-moi, c'est Radiohead. Oui, Radiohead. Et c'est Karmapolis. Karmapolis, ouais. À toi, Cyril, merci.
vous êtes bien sur Radio RVL de la galaxie d'Épouville. Et oui, vous avez vu cette fin musicale. Eh bien, Thomas, tu es toujours dans nos locaux. Apparemment, ça va. Ça va. T'as l'air d'être content. Voilà, t'es avec papa. Ah, papa est là. Et papa est fier de son fils. Alors, Thomas, raconte-nous aussi. Alors, tu as fait beaucoup de voyages. Tu as fait beaucoup de photos à l'étranger. Ouais, j'ai fait quelques voyages, ouais. Et la Norvège, l'Islande, la Scandinavie, les USA, tout ça. Hawaï aussi. Ouais, Hawaï. Voyage très loin. Et puis, mais c'est des pays qui où on réalise beaucoup d'images noir et blanc et de couleurs aussi, parce que là-bas, les couleurs sont magnifiques. J'ai vu notamment des très jolies photos de glaciers. Oui. Alors ça, c'est aussi du négatif. Ouais, la photo de. Et du moyen format aussi. Ouais, c'est une diapo en fait. C'est de la diapo. C'est de la diapo scannée. Scannée. Ouais, c'est du 6-9, c'est le boîtier que j'adore. Je devrais partir sur une île déserte, j'emmènerai que celui-là. Il mange beaucoup de films. Tu fais que 8 photos par pellicule. C'est quoi comme boîtier? C'est un Fuji 690. Donc, allez voir. Du coup, c'est un équivalent 24 mm fixe. Tu peux pas changer l'objectif. Il est sur le boîtier. Télémétrique 6-9. Alors, télémétrique, c'est quoi? Télémétrique. Alors, c'est vraiment l'apanage des Leica comme marque. Et donc, c'est une façon de viser où, au lieu de regarder l'image à travers l'objectif, ce qu'elle donnera, on vise sur un viseur à côté. Et on a une méthode de mise au point avec une correspondance d'image, en fait. Superposition d'image. Voilà, deux images, et quand elles se superposent parfaitement, on sait qu'on est net. Qu'on est net. Et l'intérêt, surtout de ces boîtiers-là, ils sont beaucoup utilisés en photographie de rue, parce qu'en fait, souvent, le viseur est plus grand que le cadre final de l'image, ce qui permet de voir quelques instants avant qu'est-ce qui va rentrer dans notre image ou qu'est-ce qui va dans en sortir. Champ. Voilà. C'est ça. Et donc du coup, c'est intéressant. Donc, tu es un adepte du 6-9. Du 6-9. Mais c'est des appareils qui coûtent très cher, ça. Celui-là, j'ai dû le payer, je pense, 200 € en occasion. À l'époque. En occasion. Ouais, d'accord. Quelqu'un qui partait en Afrique, d'ailleurs. Il partait faire un grand raid en Afrique et puis il vendait son matos avant de partir. Alors, ça, c'est du matériel, c'est très bien, mais on s'en va au sac à dos. Ouais. Donc, tout ça pèse très lourd. Ouais, lui, pèse lourd, lui. En 2014, tu t'en vas à la Guadeloupe. Ouais. Avec plein de matériel. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas avec tout ce matériel? Je m'en vais à Guadeloupe déjà avec la famille. Avec la famille. Ma famille. Et puis plein de matériel. Quand tu dis plein, c'est quoi? C'est deux ou trois boîtiers? Bah, c'est un boîtier full frame. C'est quatre gros zooms pro assez lourds. C'est un 6-6 qui est une construction assez robuste, donc qui est bien lourd aussi. C'est un 6-9. À tel point que je m'en rappelle, en passant au contrôle sécurité, elles me font déballer tout le sac et la dame, elle me dit, mais vous êtes photographe pro? Et je réponds, non, c'est pour les photos de vacances. et puis en fait, en revenant de ce voyage-là, enfin déjà pendant le voyage, c'était trop lourd, j'avais pris trop de matériel. Et puis je me suis retrouvé des fois à aller visiter des endroits ou à prendre même pas un quart du matériel, voire même des fois juste le téléphone. Ouais. Ah oui, d'accord. Et, okay. Ouais. Et ouais. Là, je me suis dit, mais c'est trop bête, quoi. J'ai plein de matos. Oui. Et je m'en sers pas parce qu'il est trop lourd à être encombrant. Oui. Et je suis rentré sur Paris et j'ai fait, bon, on va rationaliser, on va vendre une bonne partie des trucs. Et puis, on va aller sur les appareils photo hybrides. Ils sont plus petits, ils sont plus légers. Ils ont globalement la même qualité d'image, je trouve. Faut dire à nos éditeurs, est-ce qu'on retrouve le même résultat peut-être pour un amateur lambda. Ça ne pose pas de problème. Mais pour un vrai photographe qui aime vraiment l'argentique, le noir et blanc, parce qu'il y a quand même un petit plus. Mais il y a le petit plus, il n'y a que les pros, il n'y a que les gens avertis qui peuvent voir ce petit plus. Moi, je trouve que pour l'amateur même averti, l'hybride est intéressant parce qu'il est... Il est léger. Hybride, vas-y, tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est qu'un hybride. Voilà, l'hybride, en gros, c'est dans l'appareil réflexe, donc le gros boîtier traditionnel, en fait, on vise à travers l'objectif, et puis il y a un miroir au milieu qui renvoie l'image dans le viseur quand on est en phase de visée, et puis quand on est en train de prendre la photo, il se relève et la lumière rentre dans le capteur. Le problème, c'est que l'installation de ce miroir-là et de toute la mécanique qui va avec prend de la place, du volume dans l'appareil. Donc du coup, on peut pas avoir un appareil petit avec ces technologies-là. Et en fait, l'hybride, l'idée, c'est de dire, la lumière va toujours vers le capteur,
Et le capteur, lui, envoie dans une espèce de petit écran électronique, faut voir ça comme une sorte de mini télé, le résultat de, en direct de l'image. Et donc, on, au lieu de regarder à travers le miroir au niveau du viseur, on regarde cette petite télé. Et il y a beaucoup de, d'amateurs avertis qui sont très rebutés à l'idée de, justement, de ce viseur-là qu'on appelle électronique. Moi, je le trouve intéressant parce que déjà en qualité, je trouve qu'il a progressé. Et surtout, il y a vraiment la possibilité de voir le résultat final de l'image exactement. Tout de suite. Donc voilà, la bonne profondeur de champ. Si on est en mode noir et blanc, on voit le viseur en noir et blanc. On voit exactement l'exposition. T'as employé un terme technique là. T'as employé un terme technique là. Les auditeurs connaissent, savent pas ce que c'est que la profondeur de champ. On va peut-être pas rentrer dans le détail, mais juste leur dire, c'est une question de distance, de mise au point. Voilà, c'est savoir est-ce qu'on veut que sur l'image, à la fois ce qui est près de nous et ce qui est loin de nous soit net, ou est-ce qu'on veut par exemple que juste une certaine profondeur de l'image soit nette. Donc par exemple, si vous faites un portrait, vous voulez que le visage de votre modèle soit net et puis derrière ce soit tout flou, ou au contraire, vous voulez voir et le visage du modèle et le décor, la montagne derrière ou je ne sais quoi. Donc, profondeur de champ. Alors ça, on apprend ça à l'école, hein, la profondeur de champ. Ouais. Et ça sert beaucoup aux reporters, aux photographes reporters. Hein, parce que la profondeur de champ, on la calcule, on met son diaphragme, on travaille avec une vitesse, et on sait qu'en prenant telle optique, telle, aide-moi, telle optique, tel focal. Format focal, pardon, tel focal, par exemple, bah, dans le temps, on va dire dans le temps, hein, les appareils étaient censés avoir tous des 50 mm. Ben on savait qu'en mettant tel diaphragme, telle vitesse avec un 50 mm, on savait très bien que tout ce qui allait passer dans notre champ de vision entre 2 mètres et 5 mètres, ben ça allait être net. Bien sûr avec un éclairage. Hein. Donc là, c'était une technique pour aller très vite à photographier, mais ça, c'était les reporters, hein, les photographes de rue. Quoi. Mais même pour même maintenant, l'intérêt, moi, je trouve, de la profondeur de champ, c'est que ça permet de faire des choix. On choisit ce qui est net, ce qui est flou, et puis bah en fait la photographie c'est ça quoi, c'est faire des choix. Alors on va pas rentrer dans le détail, mais c'est suivant l'optique que tu vas employer aussi. Hein, donc là on va pas rentrer, parce que c'est un cours qu'on m'a donné. Les gens vont plus rien comprendre. Alors il t'est arrivé à un avatar, toi, dis donc. Qu'est-ce qu'il fait ton fils là avec tes optiques là? Tu peux nous expliquer? Explique à tes auditeurs, là, aux auditeurs, là, ce qui t'est arrivé là, parce que dis donc, t'as lâché un peu d'argent là dans cette optique là. Ah bah ouais, bah là. Alors vas-y. Bon, déjà, faut savoir que mes enfants ont un appareil photo bon adapté aux enfants pour l'instant, avec lesquels ils font quelques images. Voilà, je leur donne un peu l'habitude d'en faire. Et puis, le petit, il a eu une période où il mettait beaucoup de choses à la poubelle. Ça a commencé par une paire de lunettes et puis ça s'est fini avec un objectif. Alors, c'était un objectif qui... C'était un 23 mm 1.4, donc c'était un objectif que j'adorais. Très cher en plus. Ouais, qui est assez onéreux, ouais. Assez onéreux, c'est-à-dire On approche du millier d'euros. Ouais, ça fait plaisir, hein, 1000 euros à la poubelle comme ça, quoi, hein, Thomas. Ouais. Hein, ton père, il aurait été là, il t'aurait mis une claque. Hein, hein, Denis, ça t'est arrivé aussi, toi, des avatars comme ça avec tes enfants? Est-ce que Thomas, t'a mis un optique une fois à la poubelle ou pas? Non. Il a fait quelque chose comme ça? Non. Non, il a été ça. Non, ouais. Lui, c'était... on changeait souvent la serrure, parce que c'était les clés. On a changé, je sais pas, en quelques années, plusieurs fois, la porte d'entrée, enfin, c'est la porte de la maison. Oui. Les clés de la maison. Bon, vaut mieux que ce soit une clé qu'un optique. Hein. Bah oui, mais à force... Alors, ça, c'est dur quand même, parce que... C'est dur parce qu'en plus c'est un objectif que j'aime beaucoup, bon, que je peux encore acheter, hein. J'y pense d'ailleurs. Mais surtout c'était un objectif que j'aimais beaucoup par rapport à ses résultats, parce que la focale c'est quelque chose que j'aime bien, cette focale là. C'est quelle focale? C'était un 24. Un 24 mm, ouais, alors. Donc, pour 35. Dire aux auditeurs, 24 mm c'est un grand angle, hein. Ouais. Ça prend sur les très larges. Hein. Ouais. Avec une grande ouverture. Ouais, une grande ouverture parce que bah je fais de la photo entre autres les photos de jeux de rôle où là c'est très obscur généralement les décors, donc et puis pas pareil, grande ouverture ça veut dire possibilité d'avoir une faible profondeur de champ, de pouvoir faire des choix. Alors tu viens d'aborder les jeux de rôle là. Oui, alors j'ai vu sur Flickr, il y avait beaucoup de photos. Alors j'ai cru que tu étais photographe de plateau à un moment. Je me suis dit ça y est, il fait du cinéma, il fait du théâtre, allez voir, c'est très 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 joli ces images.
Donc, c'est quoi ça, ces images? Pourquoi tu fais ce genre d'images? Bah, en fait, une de mes passions, c'est le jeu de rôle, que je pratique depuis assez jeune aussi. Et puis, en fait, j'ai découvert il y a quelques années sa forme grandeur nature, donc avec des vrais décors, des gens costumés. Et il faut voir ça un peu comme une pièce de théâtre d'improvisation. Le but des jeux de rôle, explique un peu. Alors, le but des jeux de rôle, c'est de vivre une histoire ensemble sur laquelle il y a un contexte de base qui est posé par un maître du jeu. Et puis, chaque joueur incarne des rôles. Et puis, la suite de l'histoire, elle n'est pas écrite. C'est-à-dire que c'est fonction de comment les joueurs vont interpréter leur rôle, les différents objectifs qu'ils ont, les événements qui vont se passer, qui vont faire que l'histoire va prendre une direction ou une autre. Et donc, c'est des jeux de rôle qui peuvent prendre place dans différentes époques, dans différents contextes. J'ai fait un jeu de rôle où ça se passait au moment de la Révolution française, un autre où ça se passait entre l'entre-deux-guerres à Casablanca, un autre où ça se passait. Mais vous faites ça où? Parce que il y a c'est joli. Moi, j'ai vu ces photos, c'est très joli. Il y a des décors. Ouais, et tout ça. J'ai la chance d'avoir pu faire des photographies sur des jeux de rôle. Qui était organisé par une association parisienne qui s'appelle Rôle et qui était dans des décors vraiment très jolis, des châteaux qui sont loués pour l'occasion ou un relais de chasse dans la région de Cluny, ouais. Oui. Cluny. Oui. Donc voilà, c'était. Mais tu dois avoir beaucoup de demandes au niveau des images. Oui, après on est plusieurs photographes à couvrir ces différents jeux là. Mais oui, il y a quelques fois de la demande. Bon, après, c'est souvent moi qui sollicite les organisateurs et organisatrices parce que je sais que le jeu de rôle va être de qualité, donc il y aura possibilité de faire des belles images. Le plus long dans tout ça, c'est de les trier puis tenir la pression des joueurs qui sont impatients de voir les photos parce que ça leur permet aussi de revivre un peu le moment de le plaisir du jeu. En fin de compte, c'est ni plus ni moins un photographe de plateau, hein, parce que tu soignes tes cadrages, tu cherches tes éclairages, les gens ils posent carrément, quoi. Ouais. Alors, ce qui est difficile, c'est, mais ça s'approche peut-être aussi du photographe de tournage, c'est que les joueurs ils ont un rôle à jouer, ils sont en train de jouer, ils sont en train de prendre le plaisir à jouer. Et il faut arriver à les faire en photo sans les déranger. Et évidemment, quand on est sur un jeu de rôle Révolution française et que nous on arrive avec tout le barda de photographes, on est anachronique. Donc il faut. Parce que toi, tu joues quand c'est comme ça ou ah non, tu fais que la photo. Ouais, moi je fais que la photo. Donc des fois, en fonction des exigences des organisateurs, j'essaye de me costumer pour passer un peu dans le décor. D'accord. Des fois, je suis en tenue lambda. Bon, alors. Tu ne fais pas que ça comme photographie aujourd'hui. Tu t'es un petit peu calmé parce que les voyages, tu t'es calmé aussi un petit peu. Ouais, les voyages, je me suis calmé parce que les enfants sont petits, donc attendre qu'ils grandissent un peu pour pour refaire des. Et alors, conclusion, t'as des projets en cours? Est-ce que tu fais des expositions? Non, je fais pas d'exposition parce que en fait, j'étais sur un photoclub sur la région parisienne où d'ailleurs pendant un an avec papa, on était ensemble dans le même club et puis par manque de temps, j'ai quitté ce club-là et donc j'ai perdu un peu cette occasion-là de faire des expos. Mais c'est important de se regrouper tu as un petit collectif de photographes parce que ça stimule les uns aux autres. Ouais. Et la critique d'image aussi, j'aime bien. Et ça permet de trouver aussi des lieux pour exposer. Ouais. Confronter son travail, de faire plaisir aussi, faire plaisir aux gens qui t'entourent, qui voudraient bien voir. Moi le premier, j'aimerais bien voir tes images que tu as fait dans le Nord, là, agrandies, comme celle-ci que j'ai là sur le dans le studio. Et c'est vrai que j'ai des tirages à la maison de ces photos-là, c'est très très beau, quoi. Mais ils sont chez moi. Ils sont chez toi. Bah, il va falloir que tu travailles, mon garçon. Attends pas la retraite, hein. Parce que après, on a trop de travail à la retraite. Alors. Aujourd'hui, tu as de l'admiration pour un photographe particulier, mis à part ton père. J'avais de l'admiration pour un photographe qui est mort récemment, qui s'appelait Stanley Green, qui était un photojournaliste plutôt de photographie de guerre. J'avais lu un bouquin de lui qui s'appelle Black Passport, qui est un mélange à la fois de ses photos et en même temps de sa vie au fil de ces dernières années. Donc un peu aussi voir comment le fait de prendre en photo comme ça des conflits, etc., ça, au final, ça lui bouffe sa vie, quoi, ça, parce que ça laisse des traces forcément. Et donc j'avais de l'admiration pour ce photographe là et puis Denis.
Alors Denis, on a entendu ton téléphone là. Rapproche-toi du micro là, Denis. Denis, il est cool, hein. C'est le papa, il est invité, il est là. Bon, je suis invité, je me mets au fond du j'ai siège. J'ai oublié d'éteindre mon téléphone, ça peut. Et Denis avait oublié d'éteindre son téléphone, mais ça c'est... C'est Denis, hein, faut le connaître. Hein. Alors, Denis, toi, ton fils, tu vas le pousser un peu là, quand même, pour qu'il te fasse une exposition. Pourquoi vous feriez pas quelque chose en commun? Ah, c'est une idée, ouais. Non, on pourrait, ouais, je pense. Ouais. Il y a des lieux quand même, hein, ici dans notre région, ouais. Il y a quand même. Alors, c'est pas évident. Hein. Les lieux sur le Havre, c'est peut-être ce qui est peut-être le moins évident. Pourquoi un peu? Il y en a. Il y a des lieux au Havre. Terre de l'hôtel Leville, Muma, je vais t'abler haut là, hein, je vais t'agacer là. Ouais. Ouais. T'as l'abbaye de Montivilliers aussi. Oui, mais l'abbaye de Montivilliers, c'est vrai que bon, c'est une très... Mais tu as exposé il n'y a pas longtemps à Épouville, excuse-moi de te couper. Oui, à Épouville, oui, on a exposé à Épouville, mais je veux dire, quand tu parles d'exposer à l'abbaye de Montivilliers, c'est quand même, ceux qui exposent, ils font au moins 80 ou 100 photos, bon... Bon, voilà. Moi, oui, mais t'as passé ta carrière, toi, à faire des photographies de sport, entre autres. Oui, entre autres. Je te le dirai jamais assez, c'est que excuse-moi Denis, mais t'es nul, parce que moi j'attends une exposition depuis très longtemps de tes... Hein, Thomas, il est nul, parce qu'il a très jolies images des circuits automobiles en France et à l'étranger. Il n'y a que lui qui fait ça en tant qu'amateur. Il a des images très 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 belles. Non, puis il n'a pas que les images de voitures, il a les images aussi de... J'avais vu quelques photos de gars dans les stands au moment de la réparation. Il connaît les pilotes, il connaît les moteurs. Puis si c'est une bible à lui tout seul. Et puis, mais qu'est-ce qu'il fait, Denis, à la retraite? Il garde tes enfants, toi, Thomas, peu, hein. Je crois que c'est ça. On est tous des papis et des mamies. En parlant de ça, si, j'expose... là, il y a une expo, je pensais en parler à... Alors, vas-y. À Gonfreville. Vas-y, fais la petite annonce. Tiens, regarde, voilà. Je vais le communiquer. Ils ont en scène. Où il y a quatre personnes, Virginie Blanchard, Wulfie de la Motte et Stéphane Kierger. Là, c'était, les autres années, c'était un thème, mais là, c'était libre. Alors, chacun fait ce qu'il voulait. Donc, vous avez Virginie Blanchard, c'est du street art, il a pris du street art à Londres. Wilfried Lamotte a fait quelque chose, une série sur, dans un vieux cimetière à La Madeleine. Amiens. Oui, non, mais oui, c'est marqué, oui, ouais. C'est La Madeleine à Amiens. Ah, d'accord, écoute. Quant à Stéphane, il a mis le sujet, qui est du Havre, les 500 ans avec les géants et ainsi de suite. Alors, cette exposition. Et moi-même, j'ai fait une série sur comment ça s'appelle, le patinage artistique, sur les ombres et lumières, et cette expo se finit, vous pouvez la voir jusqu'au 31 décembre, à Gonfreville. À l'espace culturel Pointe de Caux. Merci Denis pour ce communiqué. Je te remercie. Je t'embaucherai pour le prochain coup. Eh bien Thomas, on est presque à la fin de cette heure d'émission et on a fait que deux pauses musicales. C'est ça? Wow! Eh ben, disons, on a tenu un peu la dragée. J'espère que les auditeurs à l'autre bout ne s'ennuient pas, parce que c'est vrai que c'est pas évident, chers auditeurs, de parler photographie. À la radio. Mmh. Alors, il m'est venu une idée. Je me suis dit, je vais me faire un site spécial radio. Pour rien que l'image, de façon à ce que quand on est en direct, comme aujourd'hui, les gens puissent aller sur un site internet et puis la personne qui est invitée puisse aller en même temps. Ouais. Hein, l'idée elle est bonne, hein, les gars. Idée, hein. Bon, je vais vous embaucher pour construire le site alors. Allez, Paris tenu. Il a le sien lui. Il a le sien. Moi j'utilise les galeries toutes faites, mais il a le sien. Alors lui. Denis, ton site internet, est-ce qu'il est à jour? Déjà, et d'une. Il n'est pas très à jour. Si, il y a des photos. Est-ce qu'on peut donner le nom? Allez, vas-y. Ah, Denis, alors ça doit être Denis Ahusseau, je pense. Si ouais, voilà, oui, pareil, oui, Denis Ahusseau. On tape Denis Ahusseau et on arrive sur le site. Alors, Thomas, tu vois comment, toi, ton avenir de photographe? Quelles sont tes envies aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Mes envies, ça serait déjà compléter la série sur les photos de bateaux. Sur les bateaux, c'est très très bien ça. Ça, j'aimerais bien arriver à faire le troisième volet. Alors, est-ce que tu écris aussi? Non. Ah, ça, c'est un tort. C'est un tort parce que je me suis aperçu, moi, mais il y a longtemps, je le sais, hein, c'est-à-dire que les gens, ils aiment bien lire pourquoi tu as fait cette image. Bien sûr, on voit que tes yeux se sont portés sur quelque chose d'intéressant, mais des fois, il y a la démarche qu'il faut noter. Puis en plus,
toi, si tu fais l'histoire, par exemple, des bateaux, c'est quand même intéressant de savoir ce que tu as photographié. Bien sûr, naturellement, si tu nous mets une photo du France, bon, il est évident que tout le monde connaît l'histoire du France, quoi. Mais c'est toujours intéressant d'expliquer pourquoi on a fait cette image, quoi. Alors, tes projets, ben, c'est les bateaux. Les bateaux, je voudrais poursuivre un peu les jeux de rôle, et puis bah, les voyages, que j'aimerais bien reprendre un petit peu au niveau photo. Et puis je continue aussi bah, les photos, bah, alors, du coup, que pour moi, qui est documenter bah, mes enfants qui grandissent, essayer de faire des beaux portraits de mes gamins. Aussi une exposition à la clé quand même, hein, puisqu'on a, on en a parlé. Donc bah, oui, parce que aujourd'hui, quand on est photographe amateur averti, ou photographe tout court, la meilleure chose qui reste dans votre vie, dans notre vie, c'est les images. Mmh. Et les images, il faut qu'elles soient mises dans un livre c'est, ou dans un album. C'est le meilleur endroit, et de façon à ce que tout le monde puisse les consulter n'importe quand, n'importe comment. Donc aujourd'hui, il y a des livres en ligne aussi, parce que ça, ouais, on en a pas parlé, et ça, c'est très intéressant. Ouais, ouais. On pourrait, d'ailleurs, je pourrais même vous faire une émission spéciale livre en ligne. Il commence à y avoir vraiment de la qualité en plus. Ouais. Hein. Voilà, c'est ouais, ce que j'aime vous entendre dire. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, on commence vraiment à avoir de la qualité. Bon, quant à moi, moi, je vais rester dans le traditionnel, puisque dans un an, je sors un ouvrage qui ne sera que en noir et blanc. Alors mes meilleurs clichés pendant mes 40 années de photographe, mes plus beaux clichés. Noir et blanc, donc j'y travaille tout de suite, et c'est vrai que je vais rester dans le traditionnel, je vais pas faire de livres numériques, donc j'irai chez un imprimeur, et puis ça va se passer comme ça, quoi, ouais, en famille. C'est bien aussi de maintenir les imprimeurs, ouais. Alors c'est surtout les coûts, hein. Les coûts ont énormément chuté, hein, dû et cause bien sûr à la photographie numérique, mais moi, pour moi, ce qui me concerne, et beaucoup de photographes aussi, on édite toujours, mais des images argentiques. Plus, voilà, un petit peu. En plus, je me permets de préciser, je sais que tu auto-édites, enfin, tu as une démarche vachement indépendante. Je suis éditeur. Je réalise tout de ouais, A à Z, la prise de vue, et puis aussi le livre, c'est moi qui le monte. Je vais tout déposer chez un imprimeur, et puis je réalise ça à compte d'auteur. Voilà. Puisque tu m'as posé une question, je réponds bientôt. C'est l'intervieweur interviewé. Voilà. Eh bien, Thomas, est-ce que tu as encore des choses à dire, puisque tu es encore un petit peu à l'antenne? Une petite pensée, un petit coup de cœur, non? Tu es content? Ça va? Tu es surpris, ouais, de cette émission ou pas? Ça passait vite, hein? Ouais, c'est passé très vite. Ouais, on est très bavard. Moi, je suis très, très bavard. Moi, j'étais moins intimidé que je le pensais. Ah, t'étais intimidé, oui. Parce que toi, tu n'aimes pas ta voix, c'est ça. Alors, je dois voir enregistrer. C'est ça, hein, t'aimes pas ta voix. Ben non, mais on s'y fait. Hein, moi, je réécoute toutes mes émissions, bien ou pas bien, c'est pour me corriger sur tout ça. Voilà, chers amis auditeurs, eh ben, on va se quitter. Denis va nous donner une petite information aussi. Oui, j'ai retrouvé parce que j'avais. Alors, Denis a trouvé son site internet. Mon site, c'est Denis H. Denis de prénom H et puis HAH.fr. Bon, mais bon, il est relativement à jour, mais il en manque encore pas mal de choses. Alors, je voudrais faire aussi. Oui, merci Denis. Je voudrais faire aussi une petite brève aussi sur Le Havre, puisqu'il y a au MUMA, il y a une exposition photographique qui s'appelle Comme une histoire. Le Havre, c'est une exposition qui est programmée jusqu'au 18/03. Donc vous avez, chers amis, le temps d'aller voir cette exposition. D'ailleurs, j'ai un dossier de presse, j'ai invité les gens de MUMA pour... Il y a quelque chose qui vient de tomber, voilà. Ah mais là, c'est pas Denis, c'est Cyril. Alors on passe à Cyril, merci quand même, hein, parce que on a débordé un tout petit peu. Et puis, ben voilà, il y a une exposition au MUMA, allez voir. Et puis il va y avoir aussi une autre petite exposition à Montivilliers, à la MISC, à partir du 15 janvier, une exposition sur le thème de la Normandie. Et, bah, chers amis, j'expose 10 images sur le thème de la Normandie. Ce sont des images cartes postales du Cotentin. Et j'expose avec deux autres amis, puisque on a réactivé une petite association qui s'appelle Imagerie Normande, et font partie de cette association, eh bien, c'est le créateur, c'est Stéphane Duboc, et puis Dominique Hervé, et puis Laurent Courceau, qui viendra nous
présenter aussi quelques images des falaises, mais en noir et blanc. Voilà. Ben, j'espère que nous n'avons pas été trop longs et que nous vous avons pas ennuyés, que vous avez passé un bon moment. Je rends l'antenne. Merci Cyril. Et puis, excusez-moi pour ce tout petit débordement de quelques minutes. Merci Cyril. Bonne fête de fin d'année. À très bientôt. Au revoir Thomas. Au revoir Denis. Oui, bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.